Tout de suite, le journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre aux 20h à la une ce soir. Congo Airways a ramené Patrice Emery Lumumba à Kinshasa aujourd'hui dans le comité d'accueil au pied de l'avion, la danse traditionnelle. Mission accomplie par l'actuel chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé qui a ramené la dépouille du héros national 61 ans après son assassinat. La salle mythique où Patrice Emery Lumumba avait tenu son discours à Kisangani lors du congrès de son parti devient un centre commercial. Des témoins se souviennent de la scène. Lumumba a quitté le lieu par une porte dérobée après des tirs à balles réelles sur la population. Nous revenons sur cette histoire dans cette édition d'information avec nos envoyés spéciaux depuis Kisangani. Et puis, fin de l'aventure pour 7 jeunes à Bandalungwa, ici à Kinshasa. Ils ont terrorisé sur la voie publique des propriétaires des véhicules le dimanche dernier à la recherche des morphologies rwandaises. Ils sont accusés de pratiquer la xénophobie. La bande a été présentée au public par la police. Voilà tout pour le titre. Madame, Monsieur, bonsoir encore une fois. Bienvenue. C'est parti pour les hommages au niveau du pays. La dépouille du héros national est arrivée à Kinshasa en escale pour Sankuru. Pour la symbolique, c'est la compagnie nationale Congo Airways qui a ramené le défunt. On fait le point avec Patty Tontango Kizonda dans ce reportage. Ça y est, le 44e Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, a accompli sa mission de ramener dans la terre de ses ancêtres la dépouille du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Avec les retours, ce mercredi 22 juin 2022, des reliques de ses héros nationaux, la République démocratique du Congo va enfin faire son deuil et rendre le dernier hommage à Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. L'avion de la compagnie aérienne Congo Airways, transportant depuis Bruxelles la dépouille de ses dignes fils du pays, a atterri en début de la matinée à Kinshasa pour une escale avant de s'envoler pour les Sankuru, province où naquit Patrice Emery Lumumba en 1925. Un podium géant est en plein montage dans la ville de Kisangani. Les manifestations auront lieu devant l'hôtel de la Poste. Tolékistes, comédiens, navigants, tous font des entraînements pour le grand accueil. Envoyés spéciaux sur place, Sandra Nyangitabou, Jérès Kélani. La place de la Poste, située en plein centre-ville de Kisangani, reçoit sa cure de jouvence à quelques heures de l'arrivée de la dépouille de tout premier ministre de la RDC. Le podium où seront installés les invités de marque et le catafalque prennent lisiblement forme. Le tapis rouge est déroulé, coup de pinceau par-ci, coup de marteau par-là. Rien n'est laissé au hasard. La place de la Poste se fait une beauté. Les boyomés, toutes tendances confondues, se mettent en danse pour la réussite de ces grands événements. Les comédiens n'y sont pas restés de marbre. Je suis le professeur Bakumba. Aujourd'hui, madame, je crois derrière moi, vous voyez, il y a un véhicule Fousseau avec l'artiste Bidorman, avec le technicien. On est là pour participer à la route du Chausselaveli, carnaval motorisé. Informer les gens que le relique du premier ministre de la RD Congo arrivera bien ici à Kisangani le 24 juin 2022. Les Lokélé qui assurent les trafics en pirogue motorisée sur le fleuve Congo confirment leur présence. Nous sommes navigués en Afrique ici. Nous avons navigué, nous avons un pont flottant. Nous avons reconnu. Nous avons un aéroport, un poste, un là.
bâti, tu as salé, 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 sans oublier les mototaxis. Peli ya mingi même na président de la République ndenge accordé makamboyo et comme na mboka na biso ya Congo. Le seuil sera fait à Kisangani, ville qui a vu Lumumba faire ses premiers pas dans la politique active. Nous sommes ici à Kisangani devant l'esplanade de la Poste. C'est ici où sera exposée la dépouille du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, pour permettre aux Boyomés et Boyomés de lui rendre des hommages dignes et mérités. À l'étape de Kisangani, nous attendons l'arrivée pour ce jeudi 23 juin 2022 du représentant personnel du président de la République. J'ai cité le président du Sénat, Modeste Bad Lukwebo, qui va présider toutes les cérémonies. Et vendredi 25 juin, lui, sa délégation et tous les Boyoméens se rendront à l'aéroport de Bangoka pour enfin atterrir ici pour exposition de la dépouille de Lumumba, de façon à permettre à la population de la grande province orientale de lui rendre des derniers hommages. Depuis Kisangani, Sandra Nyangi, Jires Kelani pour le compte de la RTNC. Justement, on reste dans cette ville qui garde les vestiges de l'histoire. Nos équipes sur place ont retrouvé le lieu du mythique meeting tenu par Lumumba, aujourd'hui transformé en un commerce et un petit coin d'entraînement des sportifs. On remonte l'histoire à travers les témoins rencontrés par Sandra Nyangi et Jires Kelani. C'était un jeune homme d'une trentaine révolue qui a tenu ici, dans cette salle, dans la commune de Mangobo. En octobre 1958, le congrès de son parti politique, le Mouvement National Congolais. Patrice Emery Lumumba entamait une carrière politique qui le conduira partout où les indépendances africaines allaient se discuter. Au terme de ce congrès, justement, le tribun qu'était Lumumba a excité les masses, les émeutes s'en sont suivies, au cours desquelles près de 60 Boyomés perdirent la vie. Tout ça est loin derrière nous. 64 ans après, ce lieu qui a l'histoire autant chargée tient une florissante industrie du bois. Et c'est dans cet ensemble des bénusteries et de menuiseries que se noie le buste du tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Les témoins oculaires se faisant rares, les témoins secondaires se bousculent pour raconter ce qu'ils ont retenu de l'histoire leur contée. Monsieur Chungu est de cela. Et il est le gardien des vestiges de l'histoire. Alors, c'est ici là qu'a commencé ses premiers pas, disons, ses combats politiques. Alors, il fit arriver un jour, il devait tenir le meeting ici, dans cette salle ici. Le cercle d'État à Mangobo ici. Ce jour-là, toute la population l'attendait ici, jusqu'à l'entrée des communes. Or, il y avait déjà des snipers déguisés au sein de la population, avec des cagoules tous. Quand il croyait que Lumumba va passer par là, ils ont appris que Lumumba est déjà dans la salle. Alors, il venait en tirant sur la population. Alors, la population ayant appris qu'on voulait se saisir de lui, on l'a fait sortir par la porte de derrière. Ce jour-là, il y avait beaucoup de morts. C'était ça. Nous savons que ces reliques de Lumumba vont atterrir ici le 24. C'est toute la population de Kisangani, plus particulièrement de Mangobo. Nous vivons dans cette fièvre-là d'aller l'accueillir. Ces jours-là, qu'il pleuve ou bien qu'il neige, nous y serons là. Le lieu fait aussi office d'un complexe sportif. Nous y avons trouvé un club de pugilat en plein entraînement. Le maître est un ancien champion régional et reconnaît des mérites du héros national. Ces lieux mythiques devaient servir de repère pour les nouvelles générations et source d'inspiration pour les politiques aujourd'hui. Hélas, la salle, ou du moins ce qu'il en reste, offre son cadre aux armoires, cercueils et autres objets en bois. Pendant ce temps à Kinshasa, c'est la course contre la montre sur le chantier du mausolée de Patrice Emery Lumumba, place échangeur. Les équipes sur place annoncent tout finir avant le 30 juin. Déjà, la statue a été placée. Les ingénieurs ont eu un délai très serré d'un mois pour travailler sur un chantier en béton. Suivez ce reportage de Yolande Voka. La déclaration du parti Lumumbi signifiait relative à sa situation politico-juridique actuelle
au retour en RDC des reliques de l'immortel Patrice Emery Lumumba et à l'état de guerre enduré par le peuple congolais dans la partie est de son pays. Quant au retour au pays des reliques dites de l'immortel Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, un des pères fondateurs de la RDC et du Palou, il note que l'affaire est à dimension familiale, alors que l'illustre personnalité, héros national du reste, n'a pas été assassiné parce que père de famille. Il a été, en ses qualités de père de la nation et défenseur des valeurs d'unité, de démocratie, de liberté pour le peuple congolais tout entier, dont la souveraineté devrait être respectée par tous. Il n'y a que cela qui peut expliquer l'acharnement haineux déchaîné contre lui et ses compagnons jusqu'à la destruction totale de leur dépouille physique. Le Palou sera solidaire de la famille Lumumba dans les funérailles qu'elle va organiser. Pour la question liée à l'état de guerre permanent à l'est de la RDC, le Palou, comme parti politique de masse et patriotique, ne peut éprouver d'autres sentiments que ceux de détresse, de révolte et de rejet du sort malheureux et funeste imposé injustement au peuple congolais, dont des filles et des fils subissent jour et nuit l'insécurité, la mort et les préjudices divers alors qu'il est innocent et n'a agressé personne. Voilà, le parti lumumbiste unifié reste intimement lié à l'histoire de Patrice Emery Lumumba. Vous avez entendu dans cette déclaration que le Palou est impliqué dans l'organisation justement des obsèques dues à son rang. Retournons sur le chantier Place Échangeur pour se faire une idée sur le niveau atteint par les travaux de construction du mausolée. On se croirait dans une fourmilière. Chaque ouvrier congolais ou expatrié donne le meilleur de lui-même pour que ce travaux prenne fin dans le délai. Les travaux de construction du mausolée du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, sont arrivés presque à terme. Comme le souligne l'architecte du bureau de titre d'aménagement et d'urbanisme, Alex Tchamala. Dans un mois à peu près, quatre semaines, vous voyez ce que nous avons produit. Nous sommes censés vider les lieux avant les 30 pour laisser le protocole d'État de maîtriser les sites, de sécuriser, parce que les 30 juin, ce sont les autorités qui viendront ici. Ce qui était difficile à faire a été fait. Quand je dis difficile, parce que là, il y avait des bétons, l'ouvrage est complètement fait en béton armé. Donc, quand je dis difficile, vu sa forme, et tout ce béton-là était coulé. Et voilà d'ailleurs, et quand je dis que nous atterrissons, et la statue qui pèse énormément est déjà posée. Donc, et pour le reste, nous sommes en train de faire des définitions. J'ose croire que dans quelques jours, nous allons finir. À quelques jours de la fête du 30 juin, c'est une course contre la montre qui est engagée. Bétonnage par ici, aménagement de l'espace par là, pose de la structure et de la statue de Lumumba. Tout s'est fait dans une vitesse de croisière pour accueillir la dépouille de cet héros national, justement sur ses socles. Lumumba immortalisé, la place échangeur prend une toute autre dimension grâce au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Autre chose, bientôt l'avenue Victoire sera de nouveau rouverte au trafic. Les travaux de réhabilitation de cette voirie touchent presque à leur fin sur le tronçon allant vers la paroisse Saint-Joseph. Les choses s'activent autant sur l'avenue de l'Université. On fait le constat avec le directeur général de l'OVD, Victor Tumba. Reportage de Christine Lenzo. La circulation va de nouveau redevenir fluide au niveau du rond-point Victoire. Les ingénieurs de l'OVD Kinshasa sont en pleine réhabilitation de ces tronçons partant de la paroisse Saint-Raphaël jusqu'au rond-point Victoire. Ici, les travaux de la chaussée rigide sont presque finis pendant que la deuxième phase de la pose des enrobés sur la couche de roulement est aussi entamée. Constat fait par Victor Tumba, DG de l'Office de voirie et drainage qui avait à ses côtés l'ingénieur Alain Timbalanga, DPK de l'OVD Kinshasa, comme le témoigne le chef de ces chantiers. Ici, nous avons une chaussée rigide dont nous parlons dans le langage courant, le béton, et une chaussée souple. Ce que nous faisons maintenant, c'est le pot des enrobés, donc c'est une chaussée souple qui va répondre aux attentes des usagers ainsi que de la population. Je rassure aux usagers que maintenant, ils vont rouler sur une route qui a été faite
par le fils du pays et dont nous sommes fiers de le remettre à la circulation des usagers. Au niveau de l'avenir de l'université, les travaux de bétonnage de la partie comprise entre Mini Congo et l'avenue Mopoulou évoluent normalement. Ces travaux qui sont entamés dans le cadre du projet Zéro Trou s'exécutent à la satisfaction de la population. À la une encore, fin de cavale pour 7 jeunes de Bandalungwa. Ils ont été arrêtés par la police pour pratique de xénophobie le dimanche dernier. Ils se sont permis de contrôler des véhicules des privés à la recherche des sujets rwandais. Edith Chalakatala. Aucune colère ni émotion ne peuvent justifier la xénophobie, encore moins la stigmatisation des personnes à cause de leur faciès. Ceux qui ont versé dans l'irrationnel dimanche dernier à Bandalungwa sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Sept jeunes habitant les communes de Kasavubu, Bandalungwa et Limété vont affronter la loi. Ils ont été présentés au commissaire provincial de la police nationale, ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Quelques tenues militaires exposées dans les rayons de certaines maisons d'habillement ont été confisquées par les éléments de la police qui réitèrent l'interdiction de ces vêtements pour les civils sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. En ce qui concerne les peaux de tenues semblables à celles de l'armée ou de la police, le port est vraiment interdit. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion parce que nous sommes dans une situation critique. Alors, toute personne qui a cette tenue-là n'a qu'à déposer au commissariat ou au poste de police le plus proche ou dans un bureau de sécurité. Vous savez que nous déplorons la situation qui a prévalu la fois passée. Les Kinois sont des peuples hospitaliers. On n'a jamais eu de problème. Nous sommes des croyants. Il y a quelques individus qui ont tenté, on les a interpellés, ils sont là, on les a présentés. Demandons seulement que les gens puissent se comporter en suivant la loi et en respectant la loi. Toute présence suspecte devrait par contre être rapportée à la police pour éviter tout dérapage. Félix Antoine Tshisekedi incarne la résistance face à l'agression rwandaise. C'est l'analyse de Jean-Tiny Ngobila, gouverneur de Kinshasa. Il appelle les Kinois à faire confiance au président de la République. On l'écoute dans cet extrait. Le président de la République est celui qui refuse la défaite face au Rwanda. Et c'est lui qui incarne la résistance aujourd'hui dans notre pays face à cette guerre qui nous est imposé injustement. Il a pris des mesures assez fortes pour en découdre avec cette guerre. Et nous lui faisons confiance. Il utilise les phares d'essai pour ce faire. Il leur a doté des moyens nécessaires pour combattre l'ennemi. Il utilise également la voie diplomatique régionale. Une guerre se gagne d'abord sur le plan diplomatique. Le président a pris la voie diplomatique et régionale et le président du Kenya est en train de conduire de main de maître toutes les négociations nécessaires pour ramener la paix dans la partie est de notre pays. Faisons-lui confiance, c'est quelqu'un qui aime le Congo, c'est quelqu'un qui a des atomes assez crochus avec notre président de la République. Nous croyons en lui, nous savons qu'il va y arriver. Vous savez, le président de la République, c'est quelqu'un de très déterminé et il a levé une option. Il sait que notre armée a des faiblesses. Il fait tout pour trouver d'autres solutions en vue de terminer avec cette guerre. Christophe Mboso sollicite de ses pairs des assemblées des pays africains la condamnation de l'agression rwandaise. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo s'est exprimé au cours d'une rencontre de la SADC en visioconférence. Sylvie Moembo. La diplomatie parlementaire est depuis mise en contribution pour plaider la cause de la République démocratique du Congo auprès des pairs africains. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Kodiapwanga, s'est adressé par visioconférence au président des assemblées des pays africains afin que, sans équivoque, l'agression rwandaise contre la RDC soit unanimement condamnée et de façon très claire. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda, sous le label du M23,
est couronnée par l'occupation illégale de Bunagana, avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. L'intangibilité des frontières congolaises est non négociable et tous les voisins de la RDC doivent respecter les limites de leurs frontières, comme la RDC les fait en retour. Je pense que les discussions que nous sommes en train de tenir ici seront écoutées dans un forum des chefs d'État. Je l'espère sincèrement que nous appliquons le sérieux que cette situation demande. Les troupes rwandaises doivent sans condition et sans attendre être retirées de la RDC pour la paix au niveau de la sous-région. Ce travail, le président de l'Assemblée nationale le mènera en distanciel comme en présentiel pour plaider la cause de la RDC auprès de tous les partenaires bi- et multilatéraux. Soutien de plus aux unités combattantes au front, l'Action congolaise pour la tolérance et l'égalité, ACTE, a fait une déclaration ici à Kinshasa. Cette formation politique a également réitéré son adhésion à l'Union sacrée. Nous, membres du bureau politique du parti Action congolaise pour la tolérance et l'égalité, acte en sigle, parti cher à l'honorable professeur Michel Balabala Kasongo, réunis à Kinshasa du 18 au 19 juin 2022 pour examiner la situation politique actuelle de notre pays en général et celle de notre parti en particulier. Réaffirmons notre adhésion à l'Union sacrée de la nation. Condamnons avec la toute dernière énergie la guerre d'agression imposée par le Rwanda et soutenons les forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, dans les efforts qu'il déploie pour maintenir l'intégrité du territoire national. En cette année charnière vers les élections 2023, sommes déterminés pour contribuer positivement à la réélection du président de la République et préparons à présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales pour les législatives nationales et provinciales. Les participants à la réunion du bureau politique ont signé un pacte d'engagement pour l'avenir en vue d'obtenir avec les autres membres de l'Union sacrée une majorité confortable, gage de la stabilité politique nécessaire pour le développement de notre pays. Écologie, le concept RDC pays solution doit être vulgarisé et la société civile envisage d'organiser des conférences et des journées de sensibilisation. Les jeunes ont été reçus par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. La suite dans ce reportage signé Chimène Dondo. Les échanges ont tourné autour de l'organisation harmonieuse et sans faille de l'après COP27 en vue de consolider le leadership de la République démocratique du Congo sur le plan climatique et environnemental. Eve Bazaïba Massoudi attend beaucoup de la société civile congolaise. Les peuples autochtones ont contribué beaucoup. Aujourd'hui, on appelle la RDC comme un pays solution. C'est par rapport à la gestion durable et la connaissance traditionnelle des peuples autochtones pygmées de la RDC qui ont géré notre forêt d'une manière durable et rationnelle. Et donc, nous avons cette responsabilité en tant que jeunes de vanter ces potentiels. Et déjà de maintenant, avec l'impulsion de l'excellence, nous allons nous lancer. Il y aura des conférences qui seront organisées à l'université de Kinshasa dans ce sens où nous allons sensibiliser et impulser à tous les étudiants congolais à vanter la RDC pays solution. Les participants ont apprécié l'implication du gouvernement et ont pris deux très présents et actifs à ces rendez-vous de Kinshasa. Bien avant de s'entretenir avec la société civile, Eve Bazaïba a échangé avec le ministre sectoriel du gouvernement sur l'organisation de la pré-COP 27 à Kinshasa. La pré-COP 27 et la participation de la RDC à la COP 27 en Égypte sont financées à un coût élevé à 12 362 858 000 $ américains. La pré-COP 27 se déroulera en deux sessions, la réunion des scientifiques à Yangambi et la réunion ministérielle à Kinshasa.
Mise à la retraite des agents de l'ex-Sonatra, 50 millions de dollars américains sont disponibles pour financer l'opération. Plus de 2900 personnes sont concernées. Explication avec Angèle Mabiala-Landou et Elie Toumba. Faisant suite à la réunion entre la ministre d'État en charge du portefeuille, le ministre des Finances et les responsables de la Rawbank, une réunion a été convoquée par le numéro 1 du portefeuille qui a fait une communication aux agents et cadres de la Société commerciale de transport et de port. Nous avons trois types des agents. Ceux qui ont déjà perçu des comptes finaux, mais qui réclament comme s'ils n'ont pas encore été servis. On doit faire un travail en détail. Ceux qui ont perçu les décomptes finaux partiels, dont ils ont eu la compte, maintenant ils attendent d'être soldés. Et troisième, c'est ceux qui sont en droit d'aller à la retraite et qu'on doit arriver à désintéresser totalement. La Rawbank va disponibiliser une enveloppe de 30 millions de dollars américains et le gouvernement va suppléer avec 20 millions de dollars. Avec ces 50 millions de dollars, qui est une enveloppe de départ, la princesse Adelkaïnda Maïna est décidée à éviter des actions de saupoudrage. Un plan d'élaboration du projet va être mis sur pied avec le concours de la Rawbank. Première étape, plus de 2900 retraités qui comptent la SCTP à ce jour vont être totalement désintéressés. Ils vont de ce fait libérer les maisons occupées depuis des listres. Des maisons avec des certificats d'enregistrement pour certains qui devront être impérativement récupérés. Deuxième étape, une fois l'entreprise assainie, une autre enveloppe sera disponibilisée pour l'investissement. Avec cet apport en capitaux frais, la SCTP pourra à coup sûr améliorer la qualité de service. L'École nationale d'administration recrute, sont concernées toutes personnes âgées de moins de 35 ans et détenteurs d'un diplôme de licence. Le processus d'inscription a démarré depuis le 20 juin et court jusqu'au 4 juillet 2022. Les candidatures sont à déposer via le site internet www.ena.cd. Plus de détails dans ces propos recueillis par Betty Amanikunda. La session 2022-2023 de la 8e promotion de l'École nationale d'administration a été lancée le 20 juin sur toute l'étendue de la République. La réception des candidatures va du 20 juin au 4 juillet 2022 à 18h heure de Kinshasa, exclusivement en ligne via les sites www.ena.cd. L'ENA, une institution de référence dans le cadre du rajeunissement de l'administration publique, a besoin des 100 meilleurs. Rejoindre l'ENA, c'est donc choisir d'être outillé en des valeurs et savoirs fondamentaux pour, demain, devenir serviteur de l'État, acteur de l'action publique et bouclier de l'intérêt général. Les candidats éligibles doivent être âgés de moins de 35 ans et être licenciés. Nous sommes en train d'attendre les documents ci-après. Pièce d'identité, carte d'électeur ou passeport, diplôme de licence ou son équivalent, certificat d'aptitude physique, délivré par un établissement public, un hôpital public. Et nous sommes en train de travailler pour que nous puissions organiser une preuve écrite le 31 juillet dans tous les centres qui seront ouverts dans les provinces, dans les chefs-lieux des provinces de notre pays. Les candidats sont recrutés sur base d'un concours rigoureux, objectif et transparent. Il faut une justice de guerre pour faire face à l'état de guerre que connaît la République démocratique du Congo. C'est la proposition du professeur Luzolo Bambilesa. Cet ancien ministre de la Justice a animé une conférence débat à l'université Révérend Kim sur la justice transitionnelle. Iverson Kabwaba. Cette conférence débat axée sur la justice transitionnelle, une justice qui désigne un ensemble de mesures judiciaires qui permettent de remédier au lourd héritage des abus de droits humains dans la société qui sort d'un conflit armé. Tenue à l'université Révérend Kim, devant les étudiants des différentes facultés que compte cet alma mater, ce débat scientifique a permis aux étudiants d'aiguiser leurs connaissances sur la question liée à la justice transitionnelle, a précisé le professeur Luzolo Bambi. Nous avons soutenu le principe de l'état de siège depuis un moment. Et nous avons soutenu que pour renforcer l'état de siège, il faut que l'état de siège
puisse être accompagnée par une dose de justice transitionnelle. Donc nous répétons l'occasion aujourd'hui qui nous est offerte par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Ça confirme le principe que l'état de siège a été une mesure qui a été prise pour contrer les velléités des ennemis, mais en même temps l'état de siège, tout en soutenant les FRDC, doit être accompagné par une dose de justice transitionnelle. Pourquoi? Parce que dans l'état actuel de notre gouvernance, de l'état de droit, nous sommes pratiquement en guerre. On nous fait la guerre. Il faut appliquer la justice de guerre. Comme réponse aussi, à côté de la réponse armée, il faut une justice de guerre. La question reste à savoir quand est-ce que cette justice sera d'application en RDC. Anthony Kinzo Kamole, élu président du réseau international des agences francophones des promotions des investissements, le directeur général de l'ANAPI, a été élu par ses pairs au cours de la 5e conférence annuelle de ce réseau tenue à Kinshasa. José Baïtouambo, reportage. C'est une preuve de plus que la République démocratique du Congo reprend progressivement sa place de choix au niveau international. Le pays va désormais conduire les actions du réseau international des agences francophones des promotions des investissements. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, Anthony Kinzo Kamole, a été élu président du RIAFPI par ses pairs de 14 pays membres présents à l'Assemblée générale de ces réseaux tenus à Kinshasa. En marge de sa 5e conférence annuelle, Emmanuel Essis de la Côte d'Ivoire, qui conduit ses réseaux depuis sa création, cède ainsi son fauteuil à Anthony Kinzo pour un mandat de 2 ans. Aux premières heures de son installation, le nouveau président du RIAFPI a lancé une séance de formation à l'attention de cadres et agents des agences de promotion des investissements sur la stratégie efficace de ciblage pour une bonne promotion des investissements. Les formateurs et spécialistes de la question, M. Jules Ataï, a longuement argumenté sur les changements de paradigme, l'analyse de la situation et sur les ciblages, deux éléments auxquels chaque agent devrait tenir compte pour être efficace. Concernant l'analyse des situations, M. Ataï a analysé 2 environnements, celui externe et interne, en évoquant les ressources techniques et technologiques pour le premier et la qualité de travail. Les ressources humaines pour le second. La journée a été clôturée par un atelier d'échange d'expériences sur la promotion des investissements post-Covid-19, défis et solutions. Chaque pays a livré son témoignage sur l'adaptation au travail faite pendant la période de Covid, une manière de prévenir des possibles situations à venir. La pêche congolaise sur les eaux maritimes nécessite une harmonisation avec le voisin angolais. Et dans ce cadre, un travail d'experts se tient à Kinshasa pour élaborer les termes de référence d'un protocole d'accord. Détail Eddy Tchalakatala. Les travaux sur la négociation d'un accord bilatéral entre la République démocratique du Congo et l'Angola, les experts du ministère de pêche et élevage et leurs homologues de la République d'Angola se penche depuis ce mercredi 22 juin 2022 sur les termes d'un accord de pêche entre les deux pays frères. C'est dans la suite de la dernière mission officielle effectuée en Angola par le ministre de pêche et élevage Adjien Bokele Djema en début de ce mois de juin pour rencontrer son homologue angolais ayant en charge la pêche et l'aquaculture. Ce projet d'un protocole d'accord de pêche s'intègre dans la politique du gouvernement de la République qui vise l'augmentation de la production du poisson en vue d'améliorer la sécurité alimentaire des populations congolaises. L'accord de pêche sous examen permettra aux entreprises de pêche industrielle de nouer un partenariat avec les entreprises angolaises pour exercer les activités de pêche industrielle dans les eaux maritimes angolaises jugées spacieuses. Avant le début des travaux avec la délégation congolaise, la délégation angolaise, conduite par le directeur national de pêche et aquaculture, Victor Chilamba, a été reçue par le ministre de pêche et élevage, Adjien Bokele Djema. Cette coopération dans les secteurs de pêche entre les deux pays est très importante du fait que l'Angola et la République démocratique du Congo partagent les mêmes eaux maritimes. On termine par ce SOS lancé par un albinos. Il est atteint du cancer de la peau, de l'œil et de l'oreille. Souffrant de cancer depuis près d'une année, Hervé Matendi ne peut plus travailler et gagner dignement sa vie pour vivre décemment.
Il a récemment raté son rendez-vous chez les médecins au SEMCA en raison du coût élevé de ses soins de santé. Ne sachant plus à quel saint s'y vouer, pour venir à bout de ses mal, ce jeune albinos lance un cri de détresse à l'endroit des autorités du pays et de toutes les personnes de bonne volonté, demandant aide, soutien et assistance. C'est là, dans l'espoir, que les bienfaiteurs puissent subvenir aux frais que nécessite son état de santé. Actuellement, j'ai des difficultés financières parce que aller là-bas, ça me demande de l'argent. Ici aussi à Kinshasa, je dois payer mon traitement, je dois acheter des produits et j'ai besoin d'argent. Et dans un pour ça, il y a assistance moins rapide. Mais le temps presse. L'état de santé d'Hervé Matendi se détériore de plus en plus. Aux femmes et aux hommes de bonne volonté de bien vouloir aider ces jeunes albinos atteints des cancers à aller poursuivre son traitement dans des conditions normales à l'étranger. Là, actuellement, notre frère Hervé, il a vraiment besoin de notre soutien à tous. Hervé, il est très malade. Il demande de l'aide à toute personne de bonne volonté, auxquelles qui ont un grand cœur pour soutenir notre frère Hervé, pour qu'il puisse sortir du pays. Mais notre grand souci, il nous manque de moyens pour son billet et pour son traitement. Voilà, fin de ce journal, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez un nouveau journal à 23h avec José Bayutouambo à la présentation. Demain, 20h, Anita Luambo. Bonne soirée.